tous. Du coup, il y a écrit la Timiria, mais vous inquiétez pas, on va bien parler du Sélacantin. Je vous expliquerai que c'est la même chose. J'ai réalisé cette conférence relativement rapidement. J'avais le souhait de clarifier certaines choses sur le Sélacanthe et de montrer qu'on sait quand même pas mal de choses sur cet animal. Alors on passe les histoires de chaînons manquants et de fossiles vivants. Maintenant, dans les médias, on fait comprendre aux gens que c'est pas un fossile vivant, mais on n'explique pas vraiment pourquoi. Donc ça, je vais m'y atteler. Je vais vous parler de tout ça. J'ai fait cette conférence assez, comment dire, facilement. C'est-à-dire que j'ai lu une vingtaine d'articles et de publications scientifiques, hein, pas plus. Et ce qui montre qu'en fait, on peut trouver des choses super intéressantes sur le Sélacanthe. J'ai des amis qui m'ont envoyé quelques documents supplémentaires, donc qui sont pas forcément accessibles à tout le monde, mais c'est la minorité de ma documentation. Vous avez vraiment beaucoup de choses sur Internet sur le Sélacanthe et qui sort des sentiers battus. Alors, d'abord, je tiens à vous dire qu'il y a deux sites internet, academia.edu et ResearchGate, qui sont des sites qui vous donnent gratuitement des publications scientifiques. Donc ça, c'est accessible à tout le monde. Donc avec ça, vous pouvez, comment dire, vous pouvez avoir accès à plein de documents scientifiques. Donc le Sélacanthe, la Timeria, on va tout remettre dans son contexte pour pouvoir mieux comprendre cet animal. Alors j'ai fait un petit plan, on va parler des archoptérygiens ichtyens. Les actinistiens en deux, c'est les actinistiens, c'est la grande famille du sélacanthe. Un chat, c'est un félin, un sélacanthe, c'est un actinistien, voilà. On va parler un peu d'écologie et d'alimentation de l'animal, on va parler de son anatomie, et puis pour casser l'idée du fossile vivant, on va parler de son plus proche cousin. Voilà. Et puis là, j'ai mis un dipneuste parce que je trouve sympa et que c'est un sarcoptérygien ichtyen. Mais on ne parlera pas de dipneuste, je vous ferai peut-être une autre conférence sur le dipneuste. C'est le seul poisson qu'on peut noyer. Alors, qu'est-ce qu'un sarcoptérygien ichtyen? Alors tout d'abord, les sarcoptérygiens ichtyens, c'est un groupe, un clade paraphylétique, c'est-à-dire que dans la branche de l'arbre de ces animaux, on enlève une branche. Et cette branche, ce sont les tétrapodes. Et donc tout ce qui est dans ces animaux, ce sont des animaux aquatiques avec des branchies. Et les tétrapodes sont exclus de ce groupe. Et donc même si on fait des retours à l'eau comme les cétacés, les lamantins ou les pinnipèdes, on ne fait pas partie de ce clade paraphylétique. C'est un groupe qui a été relativement abondant au Dévonien et au Carbonifère. Par contre, ça n'a pas été le groupe de poissons le plus abondant, parce que au Dévonien, on avait beaucoup de placodermes, et au Carbonifère, on avait beaucoup de chondrichtiens. Donc du coup, c'est un groupe qui a été abondant à cette période-là, et puis qui a relativement décliné après. C'est un groupe essentiellement marin. Souvent, on retrouve beaucoup d'animaux marins parce que dans le registre fossile, on a une grosse lacune d'eau douce, c'est-à-dire que l'eau sur Terre, 97% de l'eau, même plus, c'est de l'eau salée, de l'eau de la mer. Donc on a beaucoup moins relativement d'eau douce. Donc du coup, c'est normal qu'on ait moins de registres fossiles concernant les animaux d'eau douce. Alors, un sarcoptérygien ichtyen, ou même un sarcoptérygien en général, qu'est-ce qui le caractérise? Eh bien, ses membres, ou ses nageoires, ont un seul membre à un seul os à la base, c'est-à-dire qu'ils sont monobasales. Donc là, vous voyez sur ABCDEFG, pardon, que tous les membres ont un seul os qui va les relier à la ceinture scapulaire ou à la ceinture pelvienne. Donc, vous avez juste un seul os, alors que en bas, dans le petit carré noir, vous voyez qu'il y a un petit logo SCC qui représente la ceinture scapulaire. Et sur la nageoire, on a plusieurs os qui sont reliés à la ceinture scapulaire. Et ça, c'est un caractéristique des actinoptérygiens et des autres animaux. Donc si vous êtes un sarcoptérygien, vous avez un seul os de vos membres ou de vos nageoires qui est relié à votre ceinture scapulaire ou pelvienne. Comme chez nous, par exemple, c'est l'humérus ou c'est le fémur. Il n'y a pas deux os qui touchent les ceintures.
Alors, il faut faire attention, il y a une convergence avec les placodermes. Les placodermes, eux aussi, sont monobasales, c'est-à-dire qu'ils ont un seul os qui touche leur ceinture. Mais on a d'autres caractéristiques qui nous différencient des placodermes. Alors, chez les sarcoptérygiens, on a un crâne qui possède une articulation. Donc, vous voyez sur la photo de droite, j'ai fait un trait rouge qui sépare les deux parties du crâne. Et donc, ce crâne s'articule et on a vu ça notamment sur le sélacanthe. Et du coup, les chercheurs pensaient que ça lui permettait d'ouvrir la bouche plus grand pour avaler ses proies. Alors, c'est pas tout à fait ça, on va reparler plus tard. Mais tous les sarcoptérygiens à la base ont cette articulation. Chez les tétrapodes, ben, on la perd, hein, parce que si on n'a pas d'articulation à l'intérieur de notre crâne, on a un crâne voilà, sans articulation. C'est une caractéristique des sarcoptérygiens. Alors, pour les plus braves, il y a d'autres caractères, d'autres synapomorphies. Donc là, je vous ai fait la synapomorphie 1 et 2. Et pour les 5 autres, ben, je vous laisserai regarder, parce que là, c'est un petit peu plus difficile à expliquer. Mais quand vous avez ces 7 caractéristiques, vous êtes sur du sarcoptérygien. Alors, quel est le plus ancien sarcoptérygien, Seguiyu Oneros, on dirait un nom de personnage de manga, qui date du Silurien. C'est un poisson d'une trentaine de centimètres. Alors, souvent il est présenté comme le plus ancien sélacanthe. Non, non, le plus ancien sarcoptérygien tout court. Donc, il est aussi proche de nous que Nel Sélacanthe. Enfin, voilà, c'est le plus ancien sarcoptérygien, et c'est pas parce que c'est un poisson que c'est exactement un Sélacanthe. Alors, il est très intéressant d'ailleurs parce que Guyou, en fait, c'est un animal dont les structures osseuses, en fait, sont très basales, et ben, certains des os sont très semblables aux premiers actinoptérygiens et même aux placodermes. Donc là, on est vraiment à la séparation, on est vraiment à la séparation des groupes. En fait, des placodermes, des actinoptérygiens et des sarcoptérygiens. Grâce à cet animal, on peut se rendre compte de cela. Alors, je vais vous montrer d'autres exemples de sarcoptérygiens ictiens, hein, pour montrer que ce groupe était diversifié. Alors, on a Megamastax, qui est l'un aussi des plus anciens sarcoptérygiens. Il date aussi du Silurien, hein, comme Guyou. Et lui, il est intéressant parce que c'était le plus grand vertébré de son époque. Il faisait à peu près 1 mètre. Et il avait des dents déjà assez spécialisées pour broyer les carapaces, donc il devait se nourrir de petits placodermes et puis de crustacés de mollusques à coquilles. Et donc on voit que dès l'apparition de ce groupe, les sarcoptérygiens, on a déjà une diversification du groupe. On a Onychodus, lui qui est remarquable par sa dent à 3 dents, on va dire, sa dent au bout de la mâchoire qui a sa forme caractéristique. Et on a l'Aconiatus qui lui est un poisson benthique qui vit au fond de l'eau, qui est relativement aplati. On a tout en bas à gauche Eusténoptérone, hein, qu'on ne présente plus. Et tout en bas à droite, on a Rhizodus qui est un sarcoptérygien ictien lui aussi, qui était de très très grande taille. Alors au début on l'estimait à 9 mètres, bon on est revenu plus à quelque chose de... une taille de 6 mètres. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que les trois dessins du bas, je les ai encadrés en rouge. Et en fait, ces animaux-là sont plus proches des tétrapodes, donc de nous, que n'est le sélacanthe. Donc vous voyez bien qu'entre nous et le sélacanthe, il y a vraiment une grande diversité de poissons dans le groupe des sarcoptérygiens ictiens. D'ailleurs, tous ces animaux-là mériteraient qu'on fasse une conférence pour chacun, chaque groupe, parce qu'ils sont tous très très intéressants. Alors, là, on va rentrer chez les actinistiens, donc la famille du sélacanthe. Ils se caractérisent par 4 caractères qui sont très intéressants. Donc, l'absence d'os maxillaire. Alors, pourquoi j'ai mis l'absence d'os maxillaire en rouge? Parce que nous, on a encore un os maxillaire. Chez les tétrapodes ont des os maxillaires, et notamment nous les humains, on a notre os maxillaire qui est, comment dire, fusionné avec le prémaxillaire. Donc pourquoi j'ai mis ça en rouge? Parce que ça prouve bien que si le sélacanthe n'a pas cet os, c'est qu'il a évolué différemment de nous. Donc ça ne peut pas être notre ancêtre. C'est un cousin très éloigné, mais ça ne peut pas être notre ancêtre. Il a un prémaxillaire et un dentaire très réduit. Alors ça aussi c'est intéressant puisque chez les mammifères, notamment le dentaire forme toute la mâchoire, alors que chez lui le dentaire est très réduit. Donc là aussi
c'est un peu gênant pour le considérer comme notre ancêtre. Vous voyez que c'est pas possible. La nageoire caudale est diphyserque, c'est-à-dire qu'il y a trois lobes. Donc vous voyez sur la queue, il y a trois parties en fait. Il y a un petit lobe au milieu, voilà, qui est caractéristique des acliniciens. On retrouve cette forme chez d'autres sarcoptérygiens ictiens, mais cela se fait par convergence. Et puis on a la fameuse épine creuse, qui est sur la première nageoire dorsale. Épine creuse, c'est de là que vient le nom sélacanthe, parce que sélacanthe veut dire épine creuse. Donc tous les actinistiens ont cette épine creuse. Les actinistiens, c'est un groupe qui a une grande diversité au Trias, oui, contrairement à tous les sarcoptérygiens ictiens. Donc il radie fortement au Trias, et puis bon, ça va un peu moins bien après au Jurassique et au Crétacé. Et ce sont des animaux essentiellement marins. Par contre, les actinistiens radient fortement au Trias, mais les actinoptérygiens radient beaucoup plus. Donc il y a beaucoup plus. C'est un groupe qui est vraiment minoritaire au sein des faunes aquatiques. Alors au Jurassique, on ne retrouvera que deux grandes familles, les Latiméridae, qui sont essentiellement marines, et les Marsonidae, qui sont essentiellement d'eau douce. Alors en bas, j'ai mis un petit diagramme. En noir, on a les actinistiens qui sont marins. Et en blanc, les actinistiens qui sont d'eau douce. Donc vous voyez qu'il y a une forte majorité d'actinistiens qui sont marins. Mais il faut faire très attention avec le registre fossile parce qu'il y a des gaps. Comme vous voyez, un moment, il n'y a que des actinistiens d'eau douce, alors que relativement dans le registre fossile, on sait qu'il y a forcément des actinistiens marins. Et puis vous voyez même qu'à la fin du diagramme où il y a écrit tertiaire, il n'y a rien du tout parce que c'est forcément lié au registre fossile trouvé. Mais le registre fossile trouvé ne représente pas tout le registre fossile puisqu'on n'a pas encore forcément tout trouvé. Mais quand on voit la majorité du diagramme, on se rend bien compte qu'on a une majorité d'actinistiens qui sont marins. Alors, le premier sélacanthe qui a été décrit, c'est Sélacanthus granulatus par Louis Agassiz. Alors Louis Agassiz, il est partout concernant tout ce qui est poisson, hein. On le retrouve, il a publié sur beaucoup de requins, sur beaucoup de chondrichtiens, et c'est lui qui a décrit donc le premier sélacanthe, et il lui a donné son nom par rapport à cette épine creuse sur la nageoire. Donc en fin de compte, c'est ce poisson-là qu'il faudra appeler sélacanthe, et pas les autres. Et la Timéria, on devrait normalement l'appeler la Timéria et pas Sélacanthe. Bah, du coup, le problème, c'est le Sélacanthe, il avait effectivement disparu du registre fossile. Et donc, du coup, on pensait qu'il avait disparu. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle fossile vivant chez non manquant. Mais en fait, c'est un, entre guillemets, lazariste. C'est-à-dire qu'il a subi un effet Lazare. Alors, un effet Lazare, qu'est-ce que c'est? C'est quand on trouve un animal dans le registre fossile, puis dans la suite du registre fossile, on ne le retrouve plus. Et bien longtemps après, on le retrouve ou à l'état fossile ou vivant. Donc pour le sélacanthe, le dernier sélacanthe connu, c'est environ 70-68 millions d'années. Et après, on n'en retrouve plus dans tout le Cénozoïque. Et on a retrouvé les fameux Latiméria vivants. Donc là, c'est un effet Lazare. Donc c'est un animal qui a juste subi un effet Lazare. C'est-à-dire qu'on connaît sa famille au Mésozoïque, rien du tout au Cénozoïque, et puis on le retrouve vivant. Je vais vous donner un autre exemple d'effet Lazare avec Lazarus succus. Alors Lazarus succus, c'est un lézard de la famille des Coristodères. Les Coristodères, ce sont des archosauromorphes, donc des ancêtres communs des crocodiles et des oiseaux, donc des animaux qui vivent au Trias il y a très longtemps, qui ressemblaient à des gaviales. Et Lazarus succus lui ressemble plutôt à un petit iguane. Et cette famille des Coristodères disparaît au Paléocène. Donc c'est le grand trait bleu que je vous ai mis à l'horizontale. Et on a retrouvé à l'Oligocène un Lazarus succus. Donc du coup, là on a vu qu'il y avait un effet Lazare d'environ 30 millions d'années. Donc on l'a appelé le crocodile Lazare, Lazarus succus. Après ça a été très drôle parce que on a, retrouvé un Lazarus succus au Crétacé. Puis au Miocène, donc vous voyez qu'il fait des grands écarts, hein, ce Lazarus succus. Et enfin, à Mena, en Auvergne, chez nous, en France, Cocorico, on a trouvé le dernier Lazarus succus.
Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que là, c'est pas une famille. Hein. Le Sélacanthe, lui, c'est les actinistiens qui disparaissent du registre fossile, puis on trouve une espèce. Là, Lazarus succus, c'est carrément un genre qui arrive à vivre plus de 80 millions d'années, en fait. C'est-à-dire du Miocène jusqu'au Crétacé. Voilà, jusqu'au Crétacé. Donc, c'est un seul genre qui est aussi qui perdure. Alors, il faut voir aussi que l'effet Lazare, c'est vraiment quelque chose d'un peu, on va dire, historique. C'est-à-dire que si le premier Lazarus succus qu'on avait trouvé, on l'avait pas trouvé à l'Oligocène ni au Miocène, mais par exemple au Crétacé, il n'aurait pas eu ce nom-là. C'est justement parce que on l'a trouvé par un effet Lazare, donc parce que on n'a pas, on va dire entre guillemets, fouillé au bon endroit, que cet animal possède ce nom-là. Donc l'effet Lazare, ça nous enseigne toujours sur la temporalité avec laquelle ont été trouvés les fossiles. C'est aussi simple que ça. Si on trouve un fossile avec un écart dans le registre fossile, il y aura un effet Lazare. Mais ça, c'est de la faute des recherches, en fait. C'est pas du tout lié à la physionomie de l'animal. On revient au Sélacanthe et aux autres actinistiens. Donc là, on a un diagramme. Et dans ce diagramme-là, on a différents actinistiens. Et vous voyez que toutes les formes sont différentes. Il y a aussi les tailles. Donc les sélacanthes, en moyenne, c'est 1,50 m. Là, on a des animaux qui font 20 cm, même 10 cm. Et à côté de ça, on a un Marosonia qui fait, lui, jusqu'à 6 mètres. Et puis quand vous voyez la forme des queues pour la propulsion, vous voyez qu'elles sont aussi vraiment très différentes. La forme des nageoires, la forme des crânes. Donc là, vous avez vraiment des animaux très différents avec des écologies différentes. Donc quand on dit que l'Atimeria n'a pas changé, n'a pas évolué, c'est complètement faux. Voilà. Et là, vous en avez la preuve. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, une dizaine d'actinistiens différents et ils sont tous différents du Sélacanthe. Alors là, j'ai mis un petit dessin d'Alain Beneteau. Voilà pour montrer un autre actinistien, Foreia. Quand vous voyez Foreia, vous voyez vraiment qu'il est très très différent du Sélacanthe. Hein. Au niveau crânien, ça n'a rien à voir. Au niveau des nageoires aussi, elles sont très différentes. Donc, c'est des animaux qui vivaient pas du tout de la même façon. Concernant le matériel scientifique, comment on a connu le Sélacanthe? Donc je vais passer sur la première découverte du Sélacanthe en Afrique du Sud, hein, parce que c'est très connu, c'est très bien référencé sur Internet, donc je peux en reparler. Mais depuis cette découverte en 1938, eh bien il y a beaucoup de Sélacanthes qui ont été pêchés. Depuis 2011, on a plus de 300 Sélacanthes qui ont été pêchés. On en a 35 qui ont été naturalisés. On a 5 squelettes. Et ce qu'on peut voir, c'est que les captures sont surtout comoriennes, tanzaniennes, et ce sont surtout les Français et les Tanzaniens qui ont le record, et les Comoriens aussi, qui ont le record du nombre de sélacanthes pêchés. Après, on s'est rendu compte que il n'y en avait pas tant que ça des sélacanthes, donc il faut faire très attention et on arrête de les pêcher maintenant, et on étudie les spécimens qu'on a capturés plutôt que d'essayer d'en prendre d'autres parce qu'on s'est rendu compte qu'on est en train de tuer l'une des deux familles de Cercopterygia tiens. Alors au niveau écologique, les Latimeria adultes, et même enfin tous les Latimeria, vivent entre 200 mètres et 800 mètres. Ce chiffre varie selon ce que j'ai trouvé. Et souvent, on a le chiffre de 20 mètres. De 20 mètres de profondeur, ils remontent la nuit. Et en fait, j'ai lu un document que je vous présenterai tout à l'heure, qui va en contradiction avec ce que disent les pêcheurs, en fait. En fait, ces 20 mètres-là, c'est assez curieux parce que les sélacanthes qu'on a pêchés, ils meurent très très vite quand ils arrivent en surface, et même quand on les relâche, ils meurent très très vite. Ils supportent pas la pression, enfin la dépression, on va dire, et ils vivent très très bien en dessous de 200 mètres. Donc du coup, les sélacanthes à 20 mètres de profondeur, c'est pas possible. Physiquement pour eux, ça ne tient pas. Alors, ce sont des piscivores opportunistes. On a retrouvé leur contenu stomacaux. Donc on a des petits requins, des céphalopodes. Avec ou sans coquille, on trouve pas mal de choses. Voilà, comment dire, ça mange un petit peu de tout. C'est peut-être la clé de sa réussite d'ailleurs. Comme je vous ai dit, il était classé en danger. Hein, donc, ne pêchez pas le sélacanthe, s'il vous plaît.
Au niveau de l'alimentation, donc comme je vous ai dit, ils mangent pas mal, ils mangent tout ce qu'ils trouvent. Et dans le livre sur le compte rendu sur la troisième pêche du Latimeria, le troisième Latimeria pêché, eh ben on se rend compte que il fait un effet de succion. Ce qui est très classique, c'est les actinoptérygiens. Par contre, ben, les actinistiens aussi hein, font cet effet de succion, c'est-à-dire qu'ils créent une dépression dans l'eau et ça attire leur proie directement dans la bouche. Et comment on sait ça? Ben, ils faisaient des filets de ce petit poisson-là, Promyctis. Et Promyctis, en fait, il faisait des filets de 3 cm de large sur 19 de long. Et en fait, ben, quand le sélacanthe, par l'odeur alléchée de ce poisson, ben, comme il voyait que ce petit filet de 19 cm rentrait facilement dans sa bouche, il faisait cet effet de succion. Et quand on remontait le sélacanthe, on se rendait compte que le filet était intact à l'intérieur de l'animal. Donc voilà, c'est un animal qui utilise beaucoup la succion. Mais on s'est rendu compte par beaucoup de travaux qu'il utilisait l'articulation de son crâne, non pas pour ouvrir plus grand la mâchoire, mais pour la fermer avec plus de puissance. Donc l'articulation de la mâchoire dont je vous ai que je vous ai présentée tout à l'heure montre que cet animal a une certaine puissance dans la mâchoire et que notamment il a une mâchoire... la Timeria par rapport à la plupart des autres actinistiens, un crâne très très large, donc avec plus d'insertions musculaires que la plupart des autres actinistiens, que la plupart de ses cousins. Donc c'est l'un des actinistiens avec la mâchoire la plus puissante. Et quand on regarde la forme de ses dents, on voit que ça implique une morsure, hein, c'est pas des dents qui sont vestigiales. Et donc là c'est vraiment un animal qui parfois doit, comment dire... Ben, quand il rate l'effet de succion, mordre ses proies. Et c'est très efficace. Alors j'ai vu des choses intéressantes aussi, c'est que on a retrouvé, c'est un animal avec très peu de parasites. Et dans le troisième sélacanthe, vous voyez, je pars toujours du troisième sélacanthe trouvé, mais vous allez comprendre pourquoi à la fin. Ben, l'animal était particulièrement sain, on a trouvé des petits nématodes. On a retrouvé dans des Latimeria deux autres nématodes, et notamment, alors ça c'est juste pour l'anecdote, Prasina miloti, pardon, qui est trouvé par Théodore Monod. Donc hein, les sélacanthes sont passés par toutes les mains. Et donc, quelque part, le sélacanthe c'est un animal très peu parasité par rapport aux autres poissons qui vivent dans la mer. Alors là, on va parler anatomie, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Notamment que le sélacanthe, par son intérêt et sa filiation par rapport au tétrapode, bah, était très étudié anatomiquement. Après, le chien, le cheval, le chat et l'homme, c'est l'un des animaux dont on connaît mieux l'anatomie. Par contre, le problème, c'est que même si on connaît très très bien son anatomie, bah, c'est très difficile d'aller le voir dans son milieu de vie. Donc, il y a plein de choses dont on ne sait pas. Qu'on ne sait pas, parce que justement, on ne peut pas l'observer. Et c'est vrai qu'en science, c'est bien fait. Bien beau de faire de l'anatomie comparée, mais quand on est face à un animal aussi spécifique, ben en fin de compte, on connaît son anatomie, mais elle pose plein de questions. Heureusement, avec les recherches, ben, on fait beaucoup de progrès et on trouve de plus en plus de choses sur cet animal. Alors le cerveau, c'est très étonnant. Le cerveau du Latimeria ne fait que 3 grammes. Il est tout petit. Et ce qui est intéressant, c'est que chez les embryons, en fait, le cerveau est très gros, et au fur et à mesure de la croissance de l'embryon, le cerveau devient de plus en plus petit. Alors, contrairement au cerveau, la notochorde, on reparlera de la notochorde, c'est un organe que nous possédons aussi, la notochorde, et qui lui par contre se réduit avec la croissance de nos embryons. Et ben chez le sélacanthe, non, la notochorde devient 50 fois plus grosse. Et c'est un animal qui garde sa notochorde à l'état adulte. Donc c'est une caractéristique impressionnante de cet animal. Un tout petit cerveau. Chez les vertébrés, c'est le plus petit ratio taille du corps cerveau. Voilà. C'est le plus petit coefficient d'encéphalisation. J'ai regardé même chez la myxine, le coefficient d'encéphalisation n'est pas aussi important. Ce qu'il faut savoir, c'est que un sélacanthe, la plupart du temps, les mâles font 1m30 et les femelles font 2 mètres. Donc quand vous faites 2 mètres de long pour un crâne de 3 grammes, c'est vraiment, vraiment très, très petit. Alors voilà, un crâne de la Timeria. Et sur la droite, vous voyez en jaune, voilà, le petit filet jaune, ben, c'est le cerveau de l'animal. Voilà, c'est tout petit dans sa boîte crânienne.
Ici, vous avez l'embryogenèse d'un petit sélacanthe, et vous voyez que la grande masse grise, en fait, c'est le cerveau du sélacanthe. Et au fur et à mesure qu'il grandit, le cerveau devient de plus en plus petit. Quand vous voyez l'échelle à côté, on est sur du 1 mm, on a un gros cerveau. 10 mm, 1 cm, ça se réduit. 1 cm encore, ça se réduit. OD, c'est encore plus petit. Et puis quand on arrive à une échelle de 5 cm, on voit que le cerveau est un tout petit filet. Donc c'est très intéressant. Parce que justement, on va se dire, il est stupide parce qu'il a un petit cerveau. On s'en fout de la taille du cerveau. Franchement, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est que le cerveau devient de plus en plus petit et que cet animal a réussi à vivre dans ces écosystèmes avec un petit cerveau. Je vous rappelle que les méduses n'ont pas de cerveau, hein. Ça fait des millions d'années qu'elles sont là, peut-être même 1 milliard d'années qu'elles sont là, les méduses. Donc, on s'en fout de la taille du cerveau. Si ça c'est bien coordonné avec le reste, il est optimum dans son milieu et donc allez pas imaginer que c'est parce qu'il a un petit cerveau qu'il a disparu. Il y a plein d'animaux qui n'ont pas de cerveau, qui ont des tout petits cerveaux aussi chez les invertébrés et ils ont une réussite très très importante. Donc voilà, quand je vous parle du cerveau, c'est juste comment dire, c'est juste une donnée et c'est une donnée qui pose des questions. Et c'est tout. Et faut pas en faire des conclusions en disant que le sélacanthe c'est un animal stupide. Il est adapté à son environnement. C'est le seul actinistien qui a survécu, donc on s'en fiche vraiment de la taille de son cerveau. Alors, le débat sur le poumon du sélacanthe. Alors le sélacanthe a bien un poumon. Il est vestigial. Un petit peu vestigial, ça veut dire qu'il en reste une partie qui ne fonctionne plus. Et Camila Coppello, qui était une étudiante brésilienne qui a travaillé au muséum et qui travaille, je pense, avec Paolo Brito encore, elle a disséqué un poumon de sélacanthe. Alors les sélacanthes, c'est des animaux qui sont très précieux, hein, on n'en a que 300. Donc avant de disséquer un sélacanthe, on va le passer au scanner. Et puis quand on va regarder ce qu'il y a dans le scanner, on va se dire, bon, là, on va pouvoir enfin se décider, on va ouvrir cette partie-là. Voilà. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont passé un sélacanthe au CT scan. Ils ont essayé de trouver le poumon. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a trouvé justement ce vestige de poumon qui est enroulé d'une masse graisseuse. Donc on a disséqué tout ça. Ce qui est très intéressant, c'est que chez les anciens actinistiens, on trouve des plaques osseuses qui permettent de réguler le volume du poumon. C'est-à-dire que ces plaques sont reliées à des muscles et ça fait une sorte d'effet de soufflet. Donc les anciens actinistiens utilisaient ce système de soufflet pour respirer de l'air en surface. Du coup, sur le poumon des latimeries actuelles, on retrouve des toutes petites plaques osseuses qui sont elles aussi vestigiales. Et donc, ce qui prouve bien sa filiation et que ancestralement, les ancêtres de notre latimeria utilisaient justement ce système. Alors, il n'y a pas d'alvéole pulmonaire. Parce que les alvéoles pulmonaires dans un poumon, forcément, elles servent à respirer. Du coup, là, vu qu'il n'utilise pas son poumon, vu qu'il ne remonte jamais à la surface, donc on n'a pas d'alvéoles pulmonaires. Par contre, chez les embryons, on a des alvéoles pulmonaires qui, elles aussi, disparaissent au cours de la croissance de l'embryon. Donc toutes ces données-là sont très importantes parce que ça nous permet de connaître l'état ancestral des ancêtres des Latimeria. Alors, je voulais juste faire une petite parenthèse. Avant, on disait que la vessie natatoire qui sert aux poissons à changer de niveau d'eau, de descendre en profondeur ou de remonter à la surface, avait donné le poumon. Et on a de plus en plus d'indices en fin de compte. En fait, c'est le poumon qui va donner la vessie natatoire. Alors, ça aussi, c'est une vision qu'on a. C'est-à-dire qu'on pense que comme le poumon est quelque chose de plus sophistiqué, entre guillemets, forcément, il est issu d'un organe plus simple. La vessie natatoire n'est pas plus simple que le poumon. C'est juste que ces animaux-là, la plupart des poissons ont des branchies, donc ils n'ont pas besoin d'utiliser leurs poumons. Et donc le poumon va donner la vessie natatoire, parce qu'une vessie natatoire, quand on est dans l'eau, c'est plus pratique que les poumons. J'ai mis une parenthèse, c'est toujours un débat chez les scientifiques, puisque certains pensent que les organes sont apparus indépendamment. Voilà, donc selon les recherches, ou c'est des organes qui sont apparus indépendamment, ou c'est le poumon qui a donné la vessie natatoire, et pas l'inverse. Voilà. Alors, le sélacanthe n'a pas de colonne vertébrale,
Oui, je sais, c'est surprenant, c'est un vertébré qui n'a pas de colonne vertébrale. Quand j'ai eu cette information, j'étais très surpris. C'était Monsieur Gasque, qui est un spécialiste du crâne des animaux, qui a dit ça lors d'une conférence. J'étais même un peu vexé parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, ça, il dit n'importe quoi. Et je suis allé en galerie d'anatomie comparée et j'ai fait une photo de cet animal. Voilà, on a un squelette de Sélacanthe en galerie d'anatomie comparée. Et effectivement, il ne reste que les apophyses de la colonne vertébrale. Et ce que vous voyez là, c'est la fameuse notochorde. Donc, chez cet animal, on n'a pas de colonne vertébrale. C'est le seul vertébré qui n'a pas de colonne vertébrale. Alors, la notochorde que vous voyez là, mais chez tous les tétrapodes, chez tous les cercoptéri, pratiquement tous les cercoptérygiens, et pas les actinistiens d'ailleurs, la notochorde se réduit. Et chez nous, elle se réduit tellement, là j'ai pris des vertèbres humaines, qu'elle forme ce qu'on appelle le nucleus pulposus. Donc elle se réduit jusqu'à devenir cette petite masse cartilagineuse entre chaque vertèbre. Donc si jamais vous décortiquez un vertébré, le nucleus pulpus là qui est entre les deux vertèbres, vous verrez à la dissection, c'est tout ce qui reste chez nous de la notochorde. Alors c'est très intéressant parce que quand on parle de la myxine, puisque la myxine elle aussi, bon c'est pas vraiment un vertébré effectivement, c'est un craniata, elle aussi conserve sa, comment dire, sa notochorde à l'âge adulte, mais c'est un animal qui n'a pas, comment dire, qui n'a pas de vertèbre, donc qui ne suit pas ce processus. C'est comment dire, la myxine c'est le seul à conserver sa notochorde. Ben non, en fait il y a aussi le sélacanthe qui conserve sa notochorde. Alors, fait aussi très intéressant chez les actinistiens et pas seulement chez le sélacanthe, chez ce sélacanthe fossile au nom imprononçable du Trias chinois, on a retrouvé des embryons de sélacanthe, et donc ça a prouvé l'ovoviviparité du sélacanthe. Et du coup, on s'est rendu compte que nous, on a pêché des sélacanthes femelles, et dans les sélacanthes femelles, on a trouvé des embryons de sélacanthes. Donc c'est un animal qui est ovovivipare. Ces petits, quand ils sortent, ils sont prêts à nager. Il n'y a pas d'œuf externe chez ces animaux-là. Alors, ils ont aussi des petites dents pharyngiennes. Alors les dents pharyngiennes, ce sont des dents ou des organismes qui ressemblent aux dents qui sont, comment dire, sur les branchies, sur les arcs branchiaux, pardon, pas sur les branchies, sur les arcs branchiaux. Et c'est très intéressant chez les poissons parce que justement, avoir des dents dans le fond de la gorge, ça permet de mieux rabattre les proies au fond de la gorge, enfin dans l'estomac, pardon. Et là, je vous ai mis le cas à droite, le cas le plus extrême chez la murène. Et la murène, elle a carrément développé une deuxième bouche à l'intérieur de sa gorge. Et c'est un petit effet alien. Donc une murène, si elle vous attrape avec sa première mâchoire, elle peut continuer à vous déchiqueter avec la deuxième. Mais bon, chez le sélacanthe, c'est beaucoup plus simple. Les tortulutes ont à peu près le même système. Ça veut dire qu'elles ont au fond de la gorge, elles ont des organes mous en forme de tubes comme ça qui vont vers le fond de la gorge et comme ça, quand elle avale toutes ces méduses et qu'elle recrache l'eau de la mer, les méduses restent bloquées dedans et ça lui permet de garder son repas. Donc le sélacanthe, lui, a aussi des belles petites dents pharyngiennes. Voilà, on est presque à la fin de la conférence. On va parler de Svenia latimera. Donc c'est le plus proche cousin de la Latimeria, donc du sélacanthe actuel. J'ai lu la publication de Gaël Clément qui date de 2005 sur cet animal. On voit qu'il y a pas mal de choses. Quand on lit en détail la publication, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de caractères communs avec la Latimeria. On aurait tendance à penser que du coup on a un fossile vivant, mais on a quand même beaucoup des choses très particulières qui montrent qu'il est très différent. Il y a des ocraniens, des ocraniens qui montrent qu'il est très différent, l'os spiraculaire par exemple, le post-pariétal, donc voilà, c'est des os qui sont très différentes de chez la Latimeria. Il y a un poumon calcifié, donc s'il y a un poumon calcifié qui est, comment dire, qui est opérant, ça montre bien qu'il est très différent du sélacanthe actuel qui a un poumon vestigial, et l'adulte fait 25 cm. Donc 25 cm pour un adulte, c'est même pas la taille d'un juvénile chez un latimérien actuel. Comme je vous ai dit tout à l'heure, un mâle c'est environ 1,30 m et une femelle ça va jusqu'à 2 m. Donc là on est très très loin en taille, ça serait comme par hasard un latimérien nain, ça n'a aucun sens. Et puis la grosse différence entre
les Latimeria actuels et tous les autres actinistiens, c'est que tous les actinistiens qu'on connaît, ce sont des animaux qu'on a trouvés en surface, et le Latimeria, c'est le seul des actiniciens qu'on connaît qui vit en eau profonde. Alors ça, c'est aussi lié à un gap, un problème fossile avec la fossilisation en profondeur, qui est très compliqué, mais en tout cas, le Latimeria, il est physiologiquement très différent de tous les autres actinistiens qu'on connaît, et même de tous les autres sarcoptérygiens qu'on connaît, car c'est le seul à vivre en profondeur. Voilà. Et donc, si vous vivez en profondeur et que vous avez tous vos cousins qui vivent en surface, vous avez forcément une physiologie qui est différente. Alors voilà, c'est déjà la fin de la conférence. Donc pour conclure, Latimeria, bah, comme je vous l'ai dit, il est très différent des autres actinistiens, donc de tous ses cousins et des autres archéoptérygiens ictiens. Donc quand on vous dit que le Latimeria ou que le Sélacanthe a 400 millions d'années, non, c'est la famille des archéoptérygiens qui a 400 millions d'années. C'est 419 millions d'années avec Guyou. Et Guyou est autant notre ancêtre qu'il ne l'est de Latimeria. Donc voilà, c'est notre lignée des archéoptérygiens qui est aussi ancienne. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est le seul connu à vivre en profondeur, donc il a forcément une écologie, une physiologie différente de tous ses cousins fossiles. Je vous ai dit, ce qui est assez marrant, c'est l'animal dont on connaît mieux l'anatomie, mais comme on peut difficilement l'observer dans son environnement, il nous pose encore pas mal de questions. Mais ces questions, elles vont être répondues au fur et à mesure. Pourquoi ? Parce que la recherche, elle continue d'avancer sur le Sélacanthe, et notamment les travaux de Rohan Mansuy, hein, qui nous suit, donc un petit coucou à Rohan, qui a travaillé sur les membres... du Latimeria, et il a trouvé des choses très très intéressantes. Donc je vous invite à aller sur la page YouTube du CR2P, et sur la page du CR2P, il y aura bientôt la soutenance de thèse de Rohan, et vous pourrez voir tout ce qu'il raconte sur les membres du Sélacanthe. Donc la recherche avance, on va découvrir encore plein de choses sur le Sélacanthe, et les travaux que j'ai utilisés, notamment sur le cerveau, datent de moins de 10 ans, ou une dizaine d'années. Donc vous voyez que ça continue à avancer sur le Sélacanthe. Je tiens à remercier mon ami Jorge, qui m'a envoyé quelques documents sur quelques questions que j'avais. Donc il m'a très très vite répondu malgré le travail qu'il a. Il y a très longtemps de ça, je ne sais pas s'il s'en souvient, il m'a donné deux PDF de ses cours qu'il donnait sur les sarcoptérygiens et sur les tétrapodes. Ils m'ont été très très utiles, car ils m'ont permis de faire d'approfondir mes recherches et de guider mes recherches. Mon collègue et ami Alexander Nazolé, qui m'a donné quelques documents justement sur le nombre de sélacanthes qui ont été pêchés. Et je remercie aussi Mazan, qui m'a donné quelques dessins. Et je remercie Bobby Lapointe pour sa chanson « La maman des poissons ». En dernier lieu, j'aurais pu faire une conférence beaucoup plus longue, car il y a un document qu'on trouve très facilement sur Internet, c'est le troisième Sélacanthe. Les deux premiers Sélacanthes ont été trouvés par des Anglo-Saxons, un en Afrique du Sud et un aux Comores. Et quand celui qui a été trouvé aux Comores, les Français n'étaient pas contents parce que c'était des colonies françaises à l'époque. Et ils ont dit mince, ils ont pris un Sélacanthe chez nous. Donc Monsieur Millot est parti à la recherche du troisième Sélacanthe, et il est parti aux Comores et il a écrit un petit document qui est très intéressant sur sa troisième pêche. Et donc là, il y a plein de choses. Alors, faut faire attention, parce que des fois, on sent qu'il dit des choses qui va à l'encontre des premières recherches sur les deux premiers Sélacanthes, en disant « Ah ben, on a dit ça, mais c'est pas vrai, et puis ça c'est vrai, et tout. » Et donc, voilà, il y a plein de choses, c'est très intéressant. Il casse déjà des a priori qu'on a encore de nos jours dans ce document qui date de 1954. Donc, je vous invite tout simplement à écrire sur la barre Google « Le troisième Sélacanthe » et PDF, ou même sans écrire le troisième Sélacanthe, juste troisième Sélacanthe, et vous allez avoir le PDF, et que je vous dis, régalez-vous, parce qu'il y a encore plein de choses, il y aurait de quoi faire juste une conférence sur ce document. Voilà, je vous remercie, et je vous dis à la prochaine. Je sais pas s'il y aura d'autres conférences en mars, je risque de faire une mini-conférence à la fin du mois de mars, mais le 4 avril, je retourne chez mon ami Antoine Bercovici et on va faire un live microscope comme la dernière fois. On va essayer de pas avoir une heure de retard. Et là, on va regarder les microfossiles de la formation de Hell Creek. Donc, on va voir ce qu'il y avait sous les pieds du T-Rex. Je vous dis à bientôt sur Faux, s'il vous plaît.